salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart avec l'épisode 15. Installez-vous confortablement, un petit truc à boire et à manger, posez-vous dans le noir si possible, profitez de cette 4K 60 FPS qui est juste incroyable. Pourquoi on commence sur ce menu? Parce que vous allez voir qu'on va reprendre exactement là où on s'est arrêté, c'est-à-dire sur un rail. Donc ça va swinguer, ça va aller très très vite, mais avant cela, petit récap tout de même. Donc vous allez voir une micro-coupure au moment où nous allons reprendre. C'est parti. Bonjour. Est-ce que... ça va? Non. Je suis défaillant. Tout est défaillant. Je ne peux plus rien réparer. Oh non! Plus rien! Au moins, on est débarrassé des pirates! Concentre-toi sur le glisse-rail, Rivette. S'il continue comme ça, il va tout démolir. Attention, des gravats. Réparation est aussi belle qu'éphémère. Notre vraie nature n'est que destruction. Allez, on est donc reparti là où nous nous étions évidemment arrêtés. Hop, on va essayer de grimper sur le man. Oh là, tellement bien fait comme d'habitude. Eh, c'est toujours aussi surprenant, hein. J'ai beau avoir beaucoup d'épisodes à mon actif. Toujours aussi stylé. Incroyable. Incroyable. Adieu. Adieu, c'est le rocher. J'ai cru que j'allais le prendre en pleine gueule. Je vous avoue avoir lâché ma plus belle esquive derrière mon écran. Mais bon. Ok. Oh là là là, c'est incroyable. Mais j'espère réellement que vous regardez ça. Oh quoi? J'espère sincèrement que vous regardez ça sur un très grand écran. Hein. C'est dingue. Mais on dirait une attraction, ça. Mais en VR, vous devez en prendre plein la gueule en vrai. Hein. J'ai peut-être une idée. Je t'écoute. On va essayer de rien louper. Let's go! Je suis défaillant. Je ne peux ni réparer, ni... Ah oui, d'accord, carrément. On ride sur le frère. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. Mais dites-moi un seul truc qui n'est pas stylé dans le jeu, s'il vous plaît. Oh non! Mais pourquoi il faut toujours que tout s'effondre autour de nous? J'improvise. Je suis peut-être différent, mais je reste moi. Je suis toujours Clank. Tu m'envoies soulagé. Quand les Vulars m'ont demandé de les protéger, j'ai pris conscience de l'existence de nombreuses défaillances. De tant de défaillances. Ce qui vous a perturbé. Mais être capable de réparer autrui, de voir que tout n'est pas perdu. Comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance? Pouvez-vous réparer ceci? Merci. Vous venez de redonner de l'espoir à un vieux robot géant.
C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Retourner au vaisseau maintenant. Un robot oui, dans que tout n'a pas eu autant de mal à fabriquer un états. Nouveau dimensionnateur. Bon, au on fait, a des trucs tu un peu partout. Tu m'as sauvé la vie sur ce coup-là. Qui hein moi oui, Ibug toi. MDR. T'as l'étoffe d'un héros même dans ma dimension. Oh, voilà, Ibug plus. Hein. C'est merci, Rivette. Ok, on est mis sur les refs. On va checker quand même. Ça en met nous, ça les refs. Alors le disco zigzag, ça on avait dit que c'était très très cool. Voilà, ça dégage, évidemment. Je crois qu'on est déjà venu ici. Hein. On est déjà venu ici. C'est pas le meilleur des endroits, malheureusement. Mais sur un malentendu, on va essayer de repartir derrière. Allez, bientôt level 3. On va essayer de repartir. Oh, bah attendez. Ah non, je croyais que c'était du Raritarium. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, on avait déjà fait tout ça. Allez, on va récupérer un petit peu les munes. Hop, c'est ça de gagner. Comment on repart oh, non. Non, me dites pas qu'on peut pas. Oh non, c'est terrible. On peut pas. Oh non, c'est terrible. J'avais une occasion, j'ai tout gâché. Oh mince. Bon bah c'est pas grave, bah, écoutez, je vous emmène avec moi, hein. On va tous être dans la sauce comme ça, au moins on passera une bonne soirée. Quoi? Quoi? Si on retournait au vaisseau maintenant? Oui, j'espère que Ratchet n'a pas eu autant de mal à fabriquer un nouveau dimensionnateur. Ok. Au fait, t'es au courant que tu m'as sauvé la vie c'est sur terrible, ce coup-là. Et moi? Oui, toi, t'as l'étoffe d'un héros même dans ma dimension. C'est... merci. Ok. Terrible ce qui est en train de se passer. On va essayer de se barrer, mais alors par où? Oh là 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 là, je dois pas tout refaire quand même. Si je dois tout refaire, c'est catastrophe. C'est on va où là? Oh, let's go. Let's go. Ouh, on a eu chaud. On a eu très très chaud. Allez, re. Ouais, bon, j'ai fait une petite balade improvisée, d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as? On a le disco, on a le gant ravageur quand même qui mériterait. Chaque œuf ravageur déploie un agent supplémentaire. Bah, allez, hop. Vous savez quoi? Ça, c'est mérité. Au moins amélioré. Voilà, là, on s'est régalé. Là, les gants ravageurs, attention, la dingue que ça va être. Hein. Ça va être incroyable, hein, je vous le dis. Ok. Ah putain, regardez. Ok, un trigger bien trouvé. Oh, faut tout fouiller, faut tout fouiller. Faut tout fouiller. Oh, il est triste le robot. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé, les potes? Écoute, toi. Ah, vous fermez plus la gueule au nez, hein? Depuis que je vous ai sauvé la vie. Allez, c'est parti. Direction la casa. On a rien là-haut, on peut pas y aller. Dommage. On verra plus tard. On va voir un petit peu ce qui nous manque potentiellement. Alors, nous avons deux boulons sur deux boulons. On a fini la planète entièrement. Incroyable. Incroyable. On a fini la planète entièrement. GG à nous. C'est parti. Direction le camp de débris. On va peut-être débloquer le mode moyen de l'arène. Ça peut être très sympa aussi. Et j'ai l'impression que le jeu est bien plus gourmand que ce qu'on peut penser et bien plus riche. Salut Ratchet, moi c'est Rivette, ravie de te connaître. Qu'est-ce que tu fais? Rien, pourquoi? Je me demandais juste comment on allait fabriquer le dimensionnateur et sauver les univers. Serais-tu nerveuse à l'idée de rencontrer Ratchet? Quoi? Ouais, un peu. Oh, attendez. Il est très gentil, je te le promets. Et une fois que nous aurons fabriqué le dimensionnateur, il nous aidera à trouver le docteur Nefarius. Ouais. Notre aventure touche à sa fin, Boulon. Toi, Ratchet et le docteur Nefarius, vous serez bientôt de retour dans votre propre dimension. Attendez, voilà, attendez. Bah ouais, mon gars. Un petit boulon en or des familles. C'est bon, ça. Merde. Hop, on retourne par ici. C'est très très bon. Voilà. Allez, let's go. Eh,
Ça peut être pas mal. Oh, attendez. On avait déjà fait cette faille. Si elle est bleue, c'est qu'elle a été entièrement explose. On est parti pour la suite, les amis. Ah, mais attends, suis-je bête? Oh, j'ai failli tomber. Oh là là, c'est incroyable! Qu'est-ce qui... Oh, salut! Salut! Oui, bonjour! et voici Clank. Oh, ton bras! Je vais bien, Ratchet. À vrai dire, je commence à apprécier ce nouveau look. Je précise que je l'ai trouvé comme ça. Oh, t'inquiète, je sais que tu ne lui ferais pas de mal. Tu es mon double dimensionnel, après tout. Attends, qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui es mon double? Oh, bah, ça me paraît évident. Aucun argument, hein? Non, aucun. désolé, Rivette, je te présente... Kit! J'étais impatiente de faire ta connaissance. Moi aussi. Je suppose qu'il est temps de réparer ce chaos. Hey. Ça te dirait de... Décidément, tout me réussit dans cette dimension. La solution à mes problèmes arrive toute seule jusqu'à moi. Tu l'as battu combien de fois, ce type? Pas assez, faut croire. Je peux essayer? Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Ok, on est parti dans l'arène. Alors... Ok, j'étais pas préparé à ça. Allez, régale-moi. Oh la vache. Ça, je m'y attends jamais. Toujours aussi surprenant. Mais bon, là, je commence à connaître mon ref. Hein. Attention. Hein. Pas deux fois, pas trois fois. Ah! Tu vois les problèmes qui arrivent, là? Attends. Moi. Attendez, parce que ça veut dire que normalement, il y a l'autre Docteur Nefarious, non? Quoi? Ok, il m'a transporté, let's go, on est bien ici. Je suis mort. Ok. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je gère, t'inquiète, je dirai bien. Ok, nouvelle arène. Ça sent pas bon ça, je vous dis. Je ne l'ai jamais rencontré, parce que l'empereur, c'est moi. C'est ça, je vais vous croire. En quoi? Bien comment? Ni toi, ni Ratchet, ni Clank, ni... Tu viens comment? Adieu la familia. ...ne me privera de cette nouvelle et glorieuse existence. Je suis bientôt mort. Non, bien joué à lui. Bien joué à lui, il a été beaucoup trop chaud en fait. Je ne l'ai jamais rencontré. Oh non, mais c'est pas vrai, j'ai pas tombé toujours dans le même piège. C'est ça, je vais vous croire. Wouh! Ok, ça c'est de l'esquive. Ok. Ah! Ralenti. Oh, bien joué à lui. Je m'attendais point à cela. Ni toi, ni Ratchet, ni Clank, ni cette chose sur ton dos ne me privera. Ok, bien joué. Cette nouvelle et glorieuse existence. Oh.
Et mon ref. Là, il est malin parce que je peux pas utiliser mes petits robots, là. C'est terrible, ça. C'est le moment hein, d'améliorer un max d'armes. Le gant ravageur, je peux pas l'utiliser, terrible. Et si on changeait de décor? Ok, on l'a mis à 50%, c'est plutôt pas mal, on est mort une fois. Non, mon ref. Ça, c'est dans Fichico. Alors voilà, mon coéquipier. Ça, c'est dans tes chicots, mon frérot. Sur Sargasso. Ouais, c'est ici que j'habite. D'ailleurs, tu savais que... Ouais, non, c'est pas pour le moment. Je vous dérange. Ok. Alors. Oh. Mais attends, bah oui. Faites comme si je n'étais pas une menace. Vous allez voir. Ok. Allez, hein. Dégommez-moi ça, les gars. Hein. Bien sûr. Dans ta gueule. Je suis votre empereur. Et ben voilà. Non mais attends, mais les robots ils font trop mal. C'est abusé. Oh là là, lui il s'arrête jamais mon ref hein. Vache. Ok. Je lui mets sa part hein, quand même. Hein. Je lui mets sa belle part. Hein. Wow, bien joué. Pas pu arriver. Okay. Ok, changement de dimension. Très bien. Oh bien ouais, beaucoup trop chaud. Je vous ai donné beaucoup de mal. Juste pour goûter au pouvoir, hein. Je suis tellement impatient de vous voir. Ok, niveau sup. Bien wesh. Ça c'est terrible. On a eu chaud. Oh là là, c'est terrible là ce qui se passe. Mes petits robots peut-être. Oh, ça lui pique le fion. Oh, ça lui pique le fion. Bougez pas, hein, je suis très focus. Bah voilà. Je maîtrise plus rien. Let's go, ça c'est fait. Bon, on est mort une fois, ça va. Ah, l'autre Nefarious, forcément, pas y penser à celui-ci. Waouh, ça, c'est un combat. Le spectacle est terminé. Allez, applaudissez fort Rivette pour sa première victoire. J'aurais tellement aimé arriver ici plus tôt. Mais passons, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fini de neutraliser mes ennemis. À l'exception du Capitaine Quantum et de... Enfin bref. Quand j'ai entendu dire que la Lombax rebelle se battait contre moi, je me devais de... Venir voir l'univers entier célébrer votre défaite. Qui célèbre ma défaite? Parle de... Je combats des rebelles depuis des années. Je peux vous aider à les anéantir. Ah, mon fan bizarre désire m'aider. Voilà qui est tentant. Et si nous augmentions les enjeux avec un match à domicile. Il se rend sur Sargasso. Il faut que j'y arrive avant lui. On vient avec toi. Ratchet, nous devons trouver Quantum. C'est le dernier rebelle de la liste. Allez sur Ardolis et trouvez Pierre. Il saura où il est. Attends, avant d'aller affronter l'Empereur,
nous devrions nous procurer un maximum de ressources. T'as raison. C'est sûrement plus sage de faire un saut à l'arène avant de partir. Oh, ben oui, c'est sûrement plus sage de s'amuser, évidemment, avant d'y aller. Alors, attendez, parce que là, on a des trucs très intéressants, n'est-ce pas? Déjà, là, on a une armure entière qui fait des dégâts des sbires de Nefarius réduits de 20%. C'est plutôt pas trop mal. Là, on commence à avoir aussi des trucs quand même très stylés. Changer la couleur. On était parti sur quoi? On était parti sur un truc qui était très très cool. Ben, c'était ça, mais... Est-ce qu'on a jaune? La couleur du bras, ça peut être cool aussi, non? Vous en pensez quoi? Hop, on va prendre. On va prendre. Il nous manque pas mal de trucs, hein. Il nous manque surtout beaucoup de morceaux d'armure. Regardez ce qu'on a de très intéressant. Ça, c'est tous les boulons en or, les 15 qui nous ont déverrouillés. Plein de trucs assez sympas. Donc, tout ça, on avait déjà vu. Le pack photo, jeu de rôle. Le nombre de dégâts infligés s'envole au-dessus des ennemis quand tu les touches. Ok, ça peut être sympa en vrai. Mode de rendu. Jouer au jeu en appliquant un filtre visuel. Noir et blanc, sépia, mars, soirée télé. J'ai pas compris le soirée télé, ok. Oh, on peut changer la couleur. Rebelle, Ranger Galactique ou par défaut. Eh ben, on va prendre le Ranger Galactique, je trouve stylé. Le mode photo, pack 2, taille de la tête, mini, une grosse tête ou par défaut. Troc de la clé. Mais c'est trop stylé, on peut se battre avec un gigantesque poisson. Troc du marteau. Dégagement. Envoie valdinguer les ennemis quand tu les élimines avec ton arme de corps à corps. Et boîte à confetti. Une gerbe de confetti jaillit au point faible de l'ennemi quand tu le touches. Ok, ça peut être très très drôle. Ça peut être très très drôle. Bon, on est parti. On va tester 2-3 trucs dans l'arène. Et puis on continuera notre aventure évidemment dans l'épisode suivant. Et il reste encore un truc, c'est le Horde. Donc ça veut dire que c'est loin d'être fini. Survive à 5 vagues contre le Mutilateur. Mutilateur, ok. On va essayer de survivre 5 vagues. Je sais pas du tout ce qui m'attend. What? Ok. Ok, ok, ok. Ah, ok, je commence à comprendre. Très, très... Ah ouais, très, très bien. Ok, c'est chaud. Survivre 5 vagues comme ça. Donc il faut esquiver ça plus les ennemis. C'est terrible, terrible. Ok, on est parti. Terrible. Ok. Voilà, let's go! Niveau max! Ok. Vague 2, c'est fait. Eh ouais, le grand ravageur, évidemment. Évidemment. Ok, ok, c'est le meilleur move à faire, ça, du monde. Oh non, ça détruit les robots. Non, c'est terrible si ça est détruit, je sais pas si... Ok. Allez. Parfait, ça. En attendant, on va prendre quoi? Les ricochets, c'est au max. Vague 3 terminée. C'est très très bon. Ah oui, d'accord, en fait, je peux pas tout utiliser tout le temps. Terrible, en fait. Terrible. Bon, on va utiliser les trucs qu'on a déjà. Des trucs qu'on maîtrise et qu'on connaît. Wow! Salopard! Wow, salopard! Non, j'ai pris en traître! Oh là là, je suis mort. Je vois vraiment pas comment on va faire. Oh non. Bien joué, c'est tellement chaud! Battre 4 vagues d'ennemis avec le Vat en guerre. Éliminer 50 vermines avant que le gaz toxique te tue.
et battre 25 amibes gelées. Oh. Ouh, ça va être chaud, les potes. Ça va être très, très chaud. Allez, on est reparti. On est reparti. Ça peut être très, très cool. Je vais garder jusqu'au bon moment. C'est pas facile. Je vais garder jusqu'au meilleur moment. De toute façon, là, il y a des coups que je vais pouvoir esquiver beaucoup plus facilement. Ok. Oh, allez, des dégâts, là, un peu, là. Un peu de dégâts, s'il vous plaît, un peu de décence. Terrible. Terrible, terrible, terrible. On va y arriver ou quoi? Ok. Ok. Hop. Wow. Ok. Allez. Là, on est très très bien. On va longer. Je sais pas si c'est le meilleur move de longer ou rester au milieu. Je sais pas exactement le move. Je sais pas le meilleur move à avoir. Là, on a le truc à ricocher toujours. C'est quasi la dernière vague là. Ok. Je suis très concentré, je suis désolé. Vous connaissez de toute façon, je vous apprends rien. Terrible là ce qui se passe. Vague 3 terminée, ok, c'est à la vague 4 qu'on avait faibli malheureusement. Ouais, par contre une demi. Wouh ! Bon, ça va devenir très compliqué. Très bien ça, c'est bon, c'est bon. Ça fait esquive. Tape esquive, allez, ça c'est fait. Bon, on s'en sort très très bien. Ça nécessite énormément de concentration sans vouloir faire le requin, mais on s'en sort très très bien. Ok, pop 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 pop. Ok, toujours checker derrière soi. Y a plus grand chose. Ok. Très bien ça. Très très bien, ça m'a donné quoi? Très bien ça, très très bien ça. Wow, bien joué à lui, je m'y attendais point. Let's go, aucun souci. Aucun souci, let's go! Let's go, let's go! 4000 boulons! On va pouvoir avoir toutes les armes en plus, c'est cool! Très très cool! Allez, on peut tenter quand même le prochain défi, vous savez que j'aime les défis. On est parti! Battre 4 vagues d'ennemis avec le Vatanguerre. C'est quoi le Vatanguerre? Attendez, on va le faire parce que là je. Je me permets de. Le doute ma bite! Hein, ça faut le dire quand même avec toute honnêteté! Qu'est-ce que c'est que le Vatanguerre? Je n'ai même pas le Vatanguerre. Ouah, je ne l'aime pas. Bah ouais, mais je ne l'aime pas, les rushs. Vache. Ah ouais, voilà, je suis mort. Ok. Ok. C'est bon. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur parce qu'il est même pas amélioré le bordel. Je gagne quoi dans cette histoire? Ah bien ouais. Vache. Impossible. Impossible. Beaucoup trop chaud. Impossible. Tant que le Vatanguerre est pas amélioré, les gars, je tire une roquette tous les 20 ans. Impossible. Éliminer 50 vermines avant que le gaz te tue. Ça, on peut le faire.
Ça, on peut le faire, on va l'essayer vite fait. Bon, bah, le bâton guerre, faut que je le débloque parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. Sûrement, je tape tout de suite là. Ok, on va prendre ça. Donc, faut que je tue combien de zigzag mécan, c'est ça? Ok, très bien. Ça m'a l'air pas trop difficile. Pas compris cette histoire de gaz, moi. Frérot. On peut en mettre un peu moins. Ok. Pas question, ma chère. La vie de ta vie. Très bien, j'ai pas compris le principe en fait. Ah d'accord, le gaz apaise mes maux. Comme on dit dans le milieu. Là je suis à combien? Je suis mort. Ok, c'est pas mal ça, ça reload. Ok, c'est pas mal. Allez, c'est bon, tranquille, aucun souci. Ça c'est easy de ouf. Quoi? Les potes? Easy de ouf. Aucun souffle, ça, c'est gratuit les potes, je sais même plus ce que je gagne d'ailleurs, tellement c'était gratuit. Un boulon en noir, voilà, prends. Ça, c'est easy. Bon allez, on se tente un dernier challenge quand même, ça serait dommage de s'arrêter là. Et on va check la boutique, battre 25 amiibes gelés, je sais pas c'est quoi. Je connais les amiibo, évidemment, de Nintendo. M'étonnerait que ce soit ça. Glaciateur. Oh putain, je l'ai pas amélioré, mais quel enfer. Ok. Ok. Très bien. Bon, ça a pas l'air si difficile que ça. Ok, la glace rouge, ça a pas l'air si difficile que ça, c'est bizarre. Ah ouais, d'accord, non, ils ont l'air un peu plus énervés. Très bien. Ok, très bien, je comprends la difficulté. Oh la vache. Ok, je comprends la difficulté et... Très bien. Oh, bien joué à eux. Oh, c'était tellement chaud, ça s'est joué à deux. Ça, c'est faisable. On gagne quoi? Je ne sais pas exactement ce qu'on gagne. Ça, c'est faisable, on va le faire, bordel. Ok. On va déjà le péter. Ah, on a une stratégie ici. Allez, 3. Bien joué à eux. Ok, pas mal. Oh non. Plus de balles. Toujours bloqué au même. Ok, j'ai un truc sympa. Allez, let's go. Encore une victoire de canard. Une nouvelle amélioration, je ne sais pas c'est quoi. Tu as obtenu le casse aux caisses. Appuie sur croix et carré pour détruire des caisses dans un plus grand rayon. Les potes, on est devenus littéralement des machines de guerre. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On va voir tout de même le vendeur. Et épisode prochain, on s'occupe de la reine.
On a 2-3 trucs à améliorer. Dire que l'empereur est de retour juste parce qu'il est passé aux infos. Oh, l'effondrement des dimensions, c'est secondaire. L'empereur a toujours représenté une menace pour notre univers. Nous devons à tout prix récupérer le dimensionnateur avant qu'il ne nous reste plus rien à sauver. Allez, on s'arrête là. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.